Je suis photojournaliste, je suis coordinateur d'un projet média ici, mais je suis aussi rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Fumigène, qui est un magazine qui traite de la question des quartiers populaires, de la culture et des cultures avec un S et du vivre ensemble. C'est un magazine qui a été créé par Raphaël Yem, qui est rédacteur en chef d'MTV et présentateur sur France 3, et qui aujourd'hui est un magazine qui est diffusé gratuitement à 20 000 exemplaires tous les trimestres, mais en vrai on n'arrive pas à le sortir tous les trimestres, et qui permet aussi à des jeunes de trouver des places, de la place pour s'exprimer à l'intérieur. Tout ça fait que moi aujourd'hui je suis ici à la condition publique, j'ai un atelier d'artiste, on passe devant qui est là, mais j'ai aussi surtout un autre atelier qui s'appelle le Labo 148, qui est un projet média participatif que je coordonne avec Flora, qu'on va aller rejoindre, et qui est un projet média qui mélange, qui associe des jeunes de quartiers populaires avec des jeunes de l'école de journalisme de Lille. Ces jeunes produisent des contenus ensemble, ils se rencontrent ici dans un local qui est le Labo 148, qui a le numéro 148 parce que c'est au cadastre, et qui est un local qui fait 60 mètres carrés et qui a été complètement aménagé par les jeunes il y a 2 ans. Ce projet est un projet collaboratif, on en reviendra, mais c'est un projet avec plein de monde, une quarantaine de jeunes qui se retrouvent ici de manière régulière les mardis, mercredis et jeudis. Je vous invite à rentrer dans le labo. Ici, c'est l'espace de vie, c'est un lieu d'expérimentation qui est coordonné du coup par moi-même et par Flora qui est ici. Bonjour. Moi, je suis coordinatrice du labo avec Julien depuis le début du projet. Ici, on reçoit une quarantaine de jeunes en moyenne chaque semaine. On a 3 jours de permanence où ils peuvent venir ici, profiter du matériel, emprunter. On les accompagne aussi dans leurs projets. Et on a une réunion de production en fait, tous les mercredis soirs où ils se rassemblent. Alors, certaines viennent plutôt des quartiers populaires de la métropole lilloise. D'autres sont plutôt à l'école de journalisme de Lille. Ils préparent encore les concours. Donc l'idée, c'est aussi que ce soit ici un lieu de rencontre et de production commune. Donc ça peut être de l'audiovisuel, mais aussi des productions plutôt à la lisière des pratiques artistiques. Certains amènent aussi avec eux des talents en danse, en art plastique, qu'on essaye de valoriser aussi au sein des projets qu'on mène ici. Donc on a plusieurs types de productions. L'idée, c'est que certaines sont faites en partenariat aussi avec une maison de production et avec l'idée d'une diffusion derrière sur des chaînes de télé. Donc jusqu'à présent, on a Télé 5 Monde, on a France 3, la chaîne des haut-parleurs aussi, avec qui on fait des vidéos. Mais là, on prépare une nouvelle série sur le thème de l'Europe, où normalement, on devrait avoir un accord avec Arte. Donc c'est très valorisant aussi pour les jeunes de voir que leurs productions elles aboutissent et qu'elles sont diffusables. Mais c'est pas le seul enjeu du labo, c'est aussi de pouvoir expérimenter des choses, de pouvoir toucher à tout, de sortir de sa zone de confort aussi pour produire avec d'autres et puis découvrir la ville et le monde qui les entoure autrement. Si vous voulez en savoir plus sur le Labo 148, sur les jeunes et sur les productions, on vous donne rendez-vous sur le site du Labo 148, www.labo148.com, et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, labo148.com.